ease your strain. Salut à tous, c'est Apprenti Dog. On se retrouve pour vous parler justement d'un cas que là, eh ben, j'y suis justement. Alors, est-ce que son chien, comment faire quand on part en vacances? Alors moi, la première chose que je vous dirais, c'est dès que vous partez en vacances, prenez-le avec vous. Au moins, vous savez ce qu'il fait ou quoi, vous êtes tout le temps avec. Alors, bien sûr, je suis en vacances, alors je vous mettrai les photos avec les chiens que j'ai vus. Et toujours par réflexe, dès que je voyais une personne avec un chien qui se promenait, je remarquais tout le temps la même chose. C'est tout le temps le chien qui est devant, le maître à l'arrière. C'est-à-dire que c'est le chien qui balade le maître. Et à chaque fois, je pouvais pas m'en empêcher de remarquer des choses comme ça, avec des problèmes de comportement ou quoi que ce soit. Et moi, je savais comment il fallait faire. Et je voyais ces gens-là que leur chien était devant et eux, ils étaient stuck à l'arrière. Alors, je vous mettrai toutes les photos là, de ce que j'ai pris, les villes que j'ai visitées. Et voilà. C'est tout pour la partie vacances. Alors, pour les vacances, maintenant il existe diverses façons, c'est-à-dire de laisser un dog sitter, quelqu'un qui va garder votre chien, bien sûr, vous allez devoir payer. Après, il y a la solution où vous le prenez avec vous, vous mettez une ceinture de sécurité pour le chien, ça existe. Faut pas me dire c'est un peu bizarre ou quoi. Ça existe, vous allez sur des magasins faits exprès en ligne ou sur place, vous demandez une ceinture pour le chat. Ils sont faits exprès pour le confort du chien, alors il sera bien attaché. Ou vous le prenez dans la voiture et vous prenez une caisse de transport que vous mettez à l'arrière ou dans le coffre. Vous inquiétez pas, si le chat est habitué dans le coffre, avec la caisse de transport, ça ne le dérangera pas. Par contre, si le chien n'a jamais bougé de chez lui, il risque d'avoir des peurs, d'être craintif par rapport à la voiture. C'est pour ça, mais en aucun cas, n'abandonnez votre chien parce que vous partez en vacances. C'est ce que je tenais à vous dire. N'abandonnez pas votre chien. Et prenez-le avec eux. Combien de fois, là encore, j'ai pris des fois des photos dans les rues d'un chien abandonné. Pour vous prouver que quand même, c'est quand même assez alarmant pour les gens comme ceux de la SPA ou quoi que ce soit. Tous les étés, comme vous avez pu le voir à la télé, combien de fois ils ramassent des chiens abandonnés ou quoi. C'est pour ça que tous les étés, c'est comme ça et c'est pour ça que il faut faire comme des gens comme moi, faire des vidéos sur ça pour justement dire aux gens qu'il ne faut pas faire ça, que le chien, c'est pas un jouet. Sur un coup de tête, on va en acheter un et l'été après, on va l'abandonner. Ça se passe pas comme ça, parce qu'après le chien est perdu dans les rues et si c'est un chien agressif dans les rues, c'est vraiment dangereux. Alors, suivez-moi sur Twitter, Google, Facebook et bonnes vacances. Et je vous mets les photos de mes vacances pour les partager avec vous, bien sûr, toujours avec vous. C'est la team Apprenti Dog.